après avoir vu les ondes et leurs propriétés, après avoir décrit la matière à différentes échelles, nous allons maintenant nous intéresser aux interactions entre la matière et les rayonnements. Et tout particulièrement, nous allons voir que les effets qui sont induits lors de ces interactions peuvent être utiles et donc utilisés pour sonder la matière. Après avoir vu les ondes, leur description, la définition des paramètres, caractéristiques et leurs propriétés, puis la description de la matière, en allant de l'atome et des constituants élémentaires jusqu'à l'échelle macroscopique, nous nous intéressons maintenant aux interactions entre matière et rayonnement. En fait, comprendre les principes physiques de ces interactions et mieux cerner les interactions importantes. Voici le but de ce chapitre. Et donc nous verrons que nous pourrons détecter des rayonnements grâce à ces interactions et nous ferons le lien entre la mise en évidence des interactions et les renseignements sur la composition et la structuration de la matière qu'on peut en déduire. Le plan que nous suivrons sera le suivant. Tout d'abord, nous verrons les mécanismes physiques. Ensuite, nous parlerons des détecteurs. Finalement, nous parlerons des spectres moléculaires. Pour terminer, par quelques applications. Commençons par quelques exemples d'applications de ce chapitre. En imagerie. De façon générale, toutes les imageries reposent sur une interaction entre matière et rayonnement. Par exemple, la radiographie au rayon X, eh bien, l'image sur le film met en évidence les os, qui sont par des zones sombres, tout simplement parce que l'absorption par les os est plus forte, l'absorption des rayons X est plus forte. Un autre exemple d'imagerie, c'est l'IRM, ce qui est une imagerie basée sur le principe de résonance magnétique nucléaire. Et donc, en présence d'un champ magnétique, les noyaux absorbent de l'énergie venant d'une onde radiofréquence, et cette onde va modifier leur aimantation. Donc, l'imagerie va utiliser cette modification. Et le principe, c'est que tous les noyaux ne réagissent pas de la même façon. Donc, on va pouvoir imager certains noyaux. Et finalement, la scintigraphie, elle est basée sur l'émission d'un rayonnement gamma qui est émis par un radiotraceur, c'est-à-dire un petit élément qui va se déplacer, qu'on va injecter et qui va se localiser à des endroits privilégiés. Et le détecteur doit pouvoir détecter les photons gamma qui sont émis par ce radiotraceur de façon quantitative. Donc à nouveau, on a interaction entre les photons gamma émis par le radiotraceur et le détecteur pour détecter ces photons. Donc nous allons nous intéresser à différents points sur les interactions entre matière et rayonnement. Tout d'abord les mécanismes physiques, ensuite nous parlerons des détecteurs. Par la suite nous verrons un autre aspect qui sont les spectres moléculaires et nous finirons par un aperçu résumé des applications. Un rayonnement pénétrant dans la matière finit par être absorbé, donc son énergie est transférée au milieu absorbant. Et ça vient du fait qu'il existe des forces qui s'exercent entre ces deux entités. Donc, ça met en jeu les interactions entre le rayonnement et la matière. Ces interactions vont dépendre, bien sûr, de la nature du rayonnement. Alors, je vous rappelle qu'on avait vu pendant le cours sur les ondes la notion de dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire que soit le rayonnement, c'était effectivement une onde électromagnétique, où ce rayonnement ou cette onde pouvait être l'onde associée à des particules. Et donc ici, on aura bien les deux cas. Alors globalement, dans ce chapitre, on va voir deux aspects.
Un aspect plutôt global, où on considère l'interaction du rayonnement avec la matière, où on considère la matière comme quelque chose de dense. Et puis un deuxième aspect où on considérera la matière sous forme moléculaire et on verra ce qui se passe au niveau des molécules individuelles lors de ces interactions. Donc tout d'abord, on va s'intéresser au cas des particules chargées. Donc c'est le cas des électrons, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc dans le cas de la radioactivité bêta plus ou bêta moins. C'est le cas des protons ou ça peut être aussi le cas de particules alpha ou d'ions lourds. Donc la perte d'énergie sera essentiellement due aux forces électriques qui s'exercent entre ces particules et les électrons et aussi les noyaux constituant la matière. Donc, en fait, les distances qui sont mises en jeu sont beaucoup trop grandes pour prendre en compte les forces nucléaires, donc essentiellement les forces électriques. Donc, on va considérer une particule de charge Q, de masse M, qui arrive avec une certaine vitesse V et qui rentre, pénètre dans la matière et va interagir avec une particule Q', M'. Donc vous avez le schéma ici, donc c'est une particule située au point O avec une charge Q' et une masse M' qui a priori est immobile et la particule qui arrive avec une vitesse V. Donc l'interaction provoque un mouvement de la particule qui était immobile au départ et les deux particules vont donc suivre une trajectoire qui va dépendre de leurs caractéristiques, c'est-à-dire de leur charge et de leur masse, et aussi des paramètres de collision, essentiellement le paramètre d'impact B que vous voyez représenté sur la figure. Et donc à un instant T donné, la particule de charge Q va se trouver au point M, et la particule de charge Q' va se trouver au point M'. Et vous avez à ce moment-là une force qui s'exerce sur chacune de ces particules. Les forces qui s'exercent sur ces particules sont par définition égales en normes et elles sont égales à une certaine constante que multiplie Q' sur la distance R au carré. Dans le cas de la figure, on a représenté le cas où les deux charges étaient de même signe, c'est-à-dire que les deux particules se repoussent. Donc les forces sont en sens inverse. Ces forces F et F', ce sont les forces électrostatiques que nous avons définies au chapitre 2. Donc la particule Q', qui était immobile avant le choc, acquiert une certaine énergie cinétique, delta E. Cette énergie cinétique sera perdue par la particule de charge Q et de masse M. Donc, à cause de la grande différence de masse possible entre les particules qui arrivent et les particules de la matière, le phénomène peut présenter des aspects très différents. Donc, tout d'abord, dans le cas où le paramètre d'impact est très grand, dans ce cas, l'angle θ est très petit et par contre, l'angle φ va être voisin de pi sur 2. Et dans ce cas, l'énergie échangée delta E est très faible. Donc ça correspond essentiellement à un changement de trajectoire de la particule Q'. Donc dans ce cas, la particule de masse M passe très loin de la particule de masse M'. Elle n'est presque pas déviée. Et la vitesse acquise par M' est très faible. Possibilité inverse, maintenant, si le paramètre d'impact est petit, voire nul, c'est le cas du choc frontal, à ce moment-là, l'angle φ est voisin de 0 et l'énergie échangée delta E peut être maximale. Alors, il faut considérer aussi plusieurs cas suivant les masses des particules. Si les deux particules sont de même masse, ça peut être le cas si les deux particules sont toutes les deux des électrons, dans un choc frontal, l'électron incident va être arrêté
et va transférer toute son énergie cinétique à l'électron heurté. Si maintenant la masse m est beaucoup plus petite que m', ça va être le cas où la particule incidente est un électron et qu'elle vient heurter un noyau, à ce moment-là, l'électron rebondit sur le noyau. Et donc, il n'y a qu'une faible partie de l'énergie qui va être transférée. Et si on écrit les relations de conservation de l'énergie cinétique et de la quantité de mouvement, on peut montrer que delta E sur E est égal à 4 fois m sur m'. Maintenant, si la masse m est beaucoup plus grande que la masse m', donc c'est le cas d'une particule lourde, comme un proton ou une particule alpha qui va arriver sur un électron de la matière, alors là, l'énergie de la particule est peu modifiée et on peut montrer que delta E sur E est cette fois égal à 4 m' sur m dans le cas d'un choc frontal. Dans la matière, on va trouver un grand nombre d'électrons par rapport au nombre de noyaux de la matière, bien sûr. Et donc la perte d'énergie d'une particule chargée, et donc son ralentissement, se fait surtout lorsqu'elle agit avec une particule de masse comparable ou inférieure à la sienne. Donc, un électron va perdre son énergie en interagissant avec d'autres électrons. Et s'il rencontre des noyaux, la trajectoire va être infléchie, mais l'énergie va être peu modifiée. Et dans ce cas, ça va s'accompagner de l'émission d'un rayonnement électromagnétique qu'on appelle la Bremsstrahlung, dont on a déjà parlé au moment où on a parlé des rayons X, qui est donc un rayonnement de freinage et qui est un spectre continu. Donc vous avez représenté schématiquement sur la figure un électron donc qui arrive du vide avec une certaine vitesse et qui pénètre dans la matière. Au point A, B, C et D, il va rencontrer des noyaux et donc sa trajectoire va être modifiée. Maintenant, si on considère des particules chargées lourdes, elles vont avoir une trajectoire dans la matière presque rectiligne et perdre leur énergie au cours des nombreuses interactions avec les électrons et plus rarement aussi avec des noyaux. Donc c'est ce qui est représenté de façon schématique ici, une particule alpha qui arrive du vide, qui pénètre dans la matière, donc qui conserve une trajectoire presque rectiligne, mais qui aura des chocs successifs avec des électrons et qui perdra son énergie de cette façon-là. Donc du fait de la masse de ces particules et de leur énergie, la trajectoire est peu modifiée. Donc on peut voir la conséquence et l'énergie transférée au milieu. Et donc une particule chargée d'énergie E qui traverse une épaisseur dx de matière va perdre de l'énergie qu'on va noter moins dE sur dx. Et donc cette quantité moins dE sur dx va donc être positive puisque dE sera négatif. Et on l'appelle la perte d'énergie spécifique. Cette perte d'énergie spécifique dépend bien sûr de la nature du matériau, qu'il s'agisse d'hydrogène, d'aluminium, de plomb, donc qui va ralentir le rayonnement. Ça va dépendre aussi de l'état physique du matériau, à savoir s'il est solide, liquide ou gaz. Et en première approximation, cette quantité varie proportionnellement à la masse volumique de la substance. Elle dépend aussi de la nature de la particule considérée, que ce soit des électrons, des positons, des protons, des alphas ou des ions lourds, et de son énergie. Et en fait, il n'existe pas de théorie simple qui permette de calculer dE sur dx, mais on dispose de résultats expérimentaux très complets et très précis sur moins dE sur dx. Par exemple, ici, vous avez représenté cette quantité
en fonction de l'énergie des particules incidentes. Et donc ici, on vous a représenté la perte d'énergie d'électrons dans différents matériaux, donc dans l'eau, dans le silicium et dans le plomb. Et donc on a considéré le cas où les électrons incidents avaient une énergie initiale de 10 kiloélectronvolts jusqu'à 10 mégaélectronvolts. Alors j'attire votre attention sur le fait que l'échelle ici est logarithmique à la fois en x et en y. Donc pour 0,01 mégaélectronvolts, il y a un facteur 10 entre la perte d'énergie dans l'eau et dans le plomb. Un autre exemple, c'est la perte d'énergie de diverses particules dans le silicium. Alors pourquoi le silicium? Bien, le silicium est un matériau qui est très utilisé dans les détecteurs de particules. Et on voit sur ce schéma, donc dE sur dx, alors qui est exprimé comme tout à l'heure en kiloélectronvolts micromètre moins 1, en fonction de l'énergie en mégaélectronvolts de la particule incidente. Et donc on a trois courbes qui correspondent à trois types de particules incidentes, soit des protons, soit des particules alpha, soit des ions carbone. Et donc vous voyez que les particules lourdes, comme les ions carbone, perdent beaucoup plus d'énergie que les protons, par exemple, et perdent beaucoup plus d'énergie, bien sûr, que les électrons, mais la courbe des électrons serait en dehors de ce diagramme. Alors certains appellent cette quantité moins dE sur dx le transfert linéique d'énergie et on le note TLE. Et pour vous donner des ordres de grandeur, pour l'eau par exemple, qui est une matière importante en biologie, le TLE des électrons de 500 kiloélectronvolts à 5 mégaélectronvolts est de 0,20 kiloélectronvolts par micron. Le TLE des protons de 1 mégaélectronvolt serait de 20 kiloélectronvolts par micron. Maintenant, on peut aussi se poser la question de ce que devient l'énergie transférée à la matière. Et donc, l'énergie transférée, elle va servir à porter les électrons dans des niveaux d'énergie supérieurs, donc ça sera de l'excitation, ou bien elle peut carrément servir à arracher un électron de son atome. Et dans ce cas-là, ce sera de l'ionisation. Donc on a excitation et ionisation des milieux traversés, et en général, on a les deux effets qui vont se produire, et on a un partage entre ces deux possibilités. Et on peut alors définir la densité linéique d'ionisation, DLI, qui serait donc le nombre de paires d'ions créées par unité de longueur de la trajectoire de la particule. Et on peut relier la perte d'énergie à cette densité d'ionisation. Donc moins dE sur dx est égal à W fois dN sur dx, où W est l'énergie moyenne pour créer une paire d'ions. Et donc dN sur dx, la densité linéique d'ionisation. Par exemple, si on considère un électron de 1 mégaélectronvolt dans l'eau, il peut créer 7 paires d'ions par micromètre. Si maintenant on considère un proton de même énergie, toujours dans l'eau, lui peut créer 700 paires d'ions par micromètre. Alors après les particules chargées, on peut s'intéresser à des particules neutres, comme les neutrons. Donc par définition, les neutrons sont des corpuscules neutres. Et cette fois-ci, le mécanisme de perte d'énergie lié à l'interaction est dû à l'interaction nucléaire forte. Et donc lorsqu'un neutron entre en collision avec un noyau, il y aura un changement brusque de la trajectoire du neutron et la perte d'énergie sera maximale lorsque le noyau aura une masse voisine du neutron et donc ça sera le cas lorsqu'il s'agira d'un noyau d'hydrogène. Donc la conséquence, c'est que les corps très hydrogénés sont les mieux pour ralentir les neutrons. Alors des corps très hydrogénés, ça peut être l'eau, ou ça peut être des corps comme la paraffine, où on trouve beaucoup de chaînes de type CH2-CH2.
Et finalement, le neutron ralenti peut être absorbé lors d'une capture par un noyau, et il s'agira donc d'une réaction nucléaire avec émission d'un photon. Maintenant, qu'en est-il des interactions avec les rayons X et gamma avec la matière? Donc, il s'agit de photons ou bien d'ondes électromagnétiques. Leur mouvement se fait à la vitesse de la lumière, donc il n'y a pas de ralentissement, mais ces photons peuvent perdre de l'énergie. Donc, il y a trois possibilités lorsque les photons X ou gamma traversent la matière. Soit ils sont absorbés, soit ils sont transmis, soit ils sont diffusés. Et la diffusion correspond à l'émission d'un photon d'énergie inférieure, donc une notion de perte d'énergie. Alors, différents effets possibles. L'effet photoélectrique, qu'on a déjà abordé dans le cours sur les ondes. Alors, très brièvement, je vous rappelle qu'on prend un photon qui est envoyé sur une surface métallique. Et on observe qu'au-dessus d'un certain seuil, il est possible d'extraire un électron. Et donc, on écrit que l'énergie du photon est égale, d'une part, à l'énergie d'extraction de l'électron, plus l'énergie cinétique de l'électron qui va être expulsé. Et donc, cette relation fait apparaître cette existence d'un seuil W pour l'énergie du photon incident. Et donc l'énergie du photon, h nu, doit être au moins supérieure ou égale à W. Alors, autre effet, c'est l'effet Compton. Cette fois-ci, on a affaire à un électron libre ou un électron lié à un atome, et l'énergie du photon incident va être partagée entre énergie cinétique acquise par l'électron et énergie du photon diffusé. Donc on peut faire un petit schéma. Le photon incident qui provoque donc l'émission d'un électron et qui provoque aussi un photon diffusé. On peut écrire la conservation de l'énergie. Donc elle nous dit que l'énergie incidente E est égale à l'énergie E' plus l'énergie cinétique de l'électron 1/2 de mv2. Et puis, on peut aussi écrire la conservation de la quantité de mouvement. Alors, je vous rappelle que la quantité de mouvement d'un photon P, c'est égal à h bar k, où k est le vecteur d'onde. Et donc, on peut montrer que la norme de cette quantité de mouvement, c'est E sur c, donc l'énergie sur c. Et donc la quantité de mouvement, c'est un vecteur, et quand on écrit la conservation de ce vecteur, on peut projeter la relation sur deux axes, d'une part suivant la direction du photon incident, et d'autre part suivant la direction perpendiculaire à la direction du photon incident. Donc sur la direction du photon incident, on va écrire que E sur C est égal à E' sur C fois cosinus phi. Donc on a projeté la quantité de mouvement du photon diffusé sur l'axe du photon incident, plus mv cosinus θ, donc quantité de mouvement de l'électron suivant cet axe. Et maintenant, suivant l'axe perpendiculaire, on va écrire que E'c sinus phi est égal à mv sinus θ. C'est-à-dire que le photon incident n'a pas la projection suivant cet axe est nulle. Donc on se retrouve avec trois équations pour quatre inconnus, c'est-à-dire qu'il va nous rester un degré de liberté. Ça veut dire que l'énergie du photon diffusé et de l'électron vont dépendre des angles. Et donc l'électron mis en mouvement par effet Compton, contrairement à l'effet électrique où l'électron possède une énergie cinétique bien déterminée pour une énergie de rayonnement fixée, dans le cas de l'effet Compton, cet électron possède un spectre continu de 0 à un maximum qui va être déterminé par l'énergie du photon incident.
Une troisième possibilité, c'est la création de paires. Alors cette fois-ci, l'énergie du photon incident, donc toujours X ou gamma, doit être supérieure à un certain seuil pour provoquer un effet de matérialisation au cours de laquelle on voit apparaître la création d'une paire particule-antiparticule, en particulier un couple électron-positon. Donc pour que ça puisse arriver, il faut que l'énergie du photon incident soit supérieure à l'énergie de masse au repos de la particule et de l'antiparticule. Donc dans le cas du couple électron-positon, cette énergie E0, donc est égale à 2 fois M0 C au carré et 2 fois 511 kiloélectronvolts. L'énergie du photon doit donc être supérieure à 1,02 mégaélectronvolts. Donc voilà le petit schéma du photon incident qui provoque la matérialisation donc d'un positon et d'un électron. Et donc l'excédent d'énergie du photon va être communiqué aux deux particules créées sous forme d'énergie cinétique. Et donc on peut écrire que l'énergie totale donc du photon incident est égale à E0, l'énergie nécessaire pour créer la paire, plus énergie cinétique de E moins, plus énergie cinétique de E plus. Alors il faut noter que cet effet se produit au voisinage d'un noyau et qu'ensuite l'électron et le positon peuvent à leur tour interagir avec la matière, comme on l'a vu dans le paragraphe précédent. Et finalement, le positon, lui, s'annihile avec un électron du milieu, avec émission de deux photons gamma, tous les deux de 511 kiloélectronvolts, et qui vont partir à 180 degrés l'un de l'autre. Donc, après toutes ces interactions qu'on a vues, tous ces effets qu'on a vus d'interaction entre les rayons X et gamma avec la matière, on va donc constater une atténuation du faisceau de photons. Alors chacun des trois effets se réalise avec une certaine probabilité qui va dépendre de la nature des matériaux, qui va dépendre de l'énergie des particules. Et chacun de ces effets va se réaliser de façon indépendante. Alors on peut dire que l'effet photoélectrique se produit plus facilement avec des atomes de numéro atomique élevé, alors que l'effet Compton, lui, a une section efficace qui est presque indépendante du numéro atomique. Pour chaque effet, on considère l'intensité du faisceau en fonction de la quantité de matière traversée, I de x, et ce I de x va être proportionnel au nombre de photons dans le faisceau, bien sûr. Et maintenant, suivant une tranche dx, la perte d'intensité dI va être bien sûr proportionnelle à l'épaisseur de la tranche dx, va être proportionnelle à l'intensité incidente i, mais va être aussi proportionnelle à un coefficient mu qui va dépendre de la substance et de l'énergie du rayonnement. Donc on peut écrire que dI est égal à moins mu i dx. Donc c'est une relation qui s'intègre facilement. Donc elle nous donne I est égal à I0 exponentielle de moins mu x, où I0 serait l'intensité du faisceau à x égale à 0. Et on peut écrire ce genre de relation pour chacun des trois effets. Donc si, comme les trois effets peuvent avoir lieu, eh bien la variation des I peut se mettre sous la somme de trois termes, sous la forme moins mu indice photoélectrique plus mu indice Compton plus mu indice paire fois i dx. Et donc si on intègre l'ensemble, on obtient l'expression de i est égale à i0 exponentielle de moins mu x, où mu donc rassemble les trois termes et s'appelle le coefficient linéique d'absorption. Donc on peut définir aussi un coefficient massique d'atténuation qui s'écrit mu sur rho et qui s'exprimera lui en centimètres carrés par gramme. Donc les deux constantes peuvent être trouvées. Passons maintenant au détecteur.
Toutes les interactions décrites dans les paragraphes précédents entre particules ou le rayonnement et la matière sont exploitées dans les détecteurs pour permettre de détecter des particules. Détecter, ça veut dire identifier leur nature, quantifier, donc détecter le nombre de particules qui sont présentes et visualiser leur trajectoire. Les grandes lignes sont les suivantes. Une partie des détecteurs vont utiliser l'ionisation du milieu. Et dans ce cas, le principe général est le suivant. La matière va être ionisée au passage de la particule, c'est-à-dire qu'on aura la formation de charges positives, donc des ions, et des charges négatives, des électrons. Ces charges vont être déplacées par un champ électrique et ainsi pourront être recueillies séparément. Donc ça va se traduire par des impulsions électriques qui dépendent de l'énergie laissée dans le détecteur. Donc typiquement, les principes qui sont derrière sont les principes qu'on a vus dans les chapitres 2 et 3 sur l'électrostatique et l'électricité. L'autre grand principe, ce sont les détecteurs utilisant l'excitation des atomes du milieu. Et là, le principe général est le suivant. L'atome est excité par le passage d'un rayonnement et passe donc dans un état d'énergie supérieure. Comme cet état d'énergie supérieure n'est pas un état stable, l'atome va revenir vers son niveau fondamental et pour cela, il libère de l'énergie qui est libérée donc sous la forme de l'émission d'un photon. Ça, c'est ce qu'on a vu au chapitre 8. Et ensuite, ces photons sont détectés et on mesure l'énergie perdue par excitation du milieu par la particule. Donc, nous n'allons pas détailler plus les détecteurs, car vous les verrez dans le cours de M. Vuillez. Maintenant, nous allons aborder un aspect très différent de l'interaction matière-rayonnement, et raisonner plutôt au niveau moléculaire. Et donc on va s'intéresser au spectre moléculaire. Et alors tout d'abord, parlons de l'énergie des molécules. Donc une molécule est constituée de noyaux, donc d'atomes plutôt d'abord. Ces atomes sont constitués de noyaux et d'électrons. Et donc l'énergie totale de la molécule, c'est la somme d'une énergie électronique plus l'énergie associée au noyau. Alors les électrons ont une masse beaucoup plus petite que les noyaux, donc des mouvements beaucoup plus rapides que les noyaux, et donc l'énergie associée aux électrons est plus grande que l'énergie associée au noyau. Alors à son tour, l'énergie associée au noyau peut être distinguée en deux termes. D'une part, les noyaux peuvent vibrer par rapport à leur position d'équilibre, mais ils peuvent aussi avoir des petits mouvements de rotation par rapport à cette position d'équilibre. Donc l'énergie des noyaux est la somme d'une énergie de vibration plus une énergie de rotation. Et l'énergie de vibration est plus importante que l'énergie de rotation. Alors les niveaux d'énergie sont quantifiés, donc on peut représenter un schéma de ces niveaux d'énergie. Et donc ici, vous avez en rouge représenté différents niveaux d'énergie électronique. Donc S0 serait le niveau le plus bas, S1 le premier niveau excité, S2 le deuxième niveau excité, etc. Se superpose à cette énergie électronique l'énergie de vibration qui est représentée en bleu foncé. Donc vous avez des niveaux d'énergie qui sont représentés donc avec un certain espacement. Se superpose encore à ça l'énergie de rotation en bleu clair qui a des espacements beaucoup plus petits puisque l'énergie de rotation est plus petite. Donc ça vous donne le diagramme d'énergie d'une molécule de façon générale. Alors lorsqu'on considère une situation stable, les molécules se trouvent de préférence dans l'état fondamental, donc dans les premiers niveaux d'énergie. Maintenant, on peut apporter une énergie externe par excitation, donc on peut envoyer une onde sur ces molécules, et cette onde va pouvoir être absorbée.
Et l'énergie nécessaire, l'énergie absorbée, doit être égale, doit permettre le passage d'un niveau d'énergie à un autre. Et donc l'énergie du photon doit être égale à ce delta E. Donc le delta E absorption est égal au H nu absorbé ou encore à HC sur lambda absorbé. Maintenant, une fois les molécules dans un état excité, elles ne vont pas rester longtemps, elles vont se désexciter et elles vont revenir vers un état d'équilibre. Et là, il y a deux possibilités qui sont représentées sur le schéma par des petites flèches non linéaires et puis par des flèches linéaires. D'une part, on peut avoir une perte d'énergie par collision entre molécules, ou on peut aussi avoir une émission d'énergie par fluorescence. Et c'est ce qui est représenté donc sur ce schéma. Et on voit que donc le delta E lors d'une émission de fluorescence, donc, sera égal à H fois nu de fluorescence, ou encore HC sur lambda fluorescence. Et on voit que la différence d'énergie pendant l'absorption est forcément plus grande que la différence d'énergie pendant la fluorescence. Et donc pour les longueurs d'onde, ça va être l'inverse. Et donc la longueur d'onde absorbée est plus petite que la longueur d'onde de fluorescence. Maintenant, donc on l'a déjà abordé rapidement, mais revenons sur les transitions entre niveaux d'énergie. Donc on a différentes transitions possibles. En gros, on a deux catégories. On a les transitions radiatives et les transitions non radiatives. Alors parmi les transitions radiatives, on distingue encore plusieurs cas. L'absorption, dont on a vient de parler, donc qui est l'apport d'énergie par une onde électromagnétique qui va être absorbée par les molécules. On a l'émission spontanée, c'est la fluorescence dont on vient de parler. C'est le retour vers le niveau d'énergie le plus stable. Et ça peut se décrire par une expression si on considère le nombre de molécules dans l'état excité à l'instant T. Et si on suit ce nombre de molécules en fonction du temps, eh bien, n de t s'écrit sous la forme d'une exponentielle décroissante, n0, exponentielle moins t sur tau, où tau est un temps caractéristique associé à l'état excité, et on appelle ça la durée de vie du niveau d'énergie excité. Donc, plus cette durée de vie est courte, plus l'exponentielle va chuter rapidement. Inversement, plus elle est longue, plus la chute sera lente. Et puis il y a un troisième cas de transition radiative, il s'agit de l'émission stimulée. Et lors de l'émission stimulée, on va forcer toutes les molécules à émettre en même temps. Et ça va donner une intensité très forte. Et c'est le principe du laser. Et puis donc la deuxième catégorie, les transitions non radiatives. Et cette fois-ci, donc, la perte d'énergie se fait par collision entre molécules. Et donc ces transitions non radiatives seront bien sûr en compétition avec les transitions radiatives. Donc on peut regarder à quoi ressemblerait un spectre théorique. Donc si on envoie une lumière, une onde, sur un échantillon et qu'on balaye la longueur d'onde, eh bien, à chaque fois que la longueur d'onde correspond à une énergie qui aurait le bon delta pour faire passer d'un niveau d'énergie à un autre, on aura absorption. Donc, l'intensité transmise, qui au départ a un certain niveau, ben, au moment où il y a absorption, elle va chuter pour cette longueur d'onde-là. Et donc, comme les spectres sont discontinus, donc l'intensité transmise aura la forme que vous avez représentée ici. Donc chaque bacton vertical correspond à une absorption pour un certain lambda et donc pour un certain delta E. De même, si on regardait la fluorescence émise en fonction de la longueur d'onde de fluorescence, eh bien pareil, chaque fois que on a le bon delta E qui correspond à la transition entre deux niveaux d'énergie, on a une fluorescence possible et donc on a une émission possible. Donc à nouveau ce spectre discontinu. Maintenant, ce qui nous intéresse quand même, c'est les spectres réels.
Alors tout d'abord, comment on fait la mesure? Elle est relativement simple. On a d'abord une source de lumière qui va nous produire une onde. Il faut que, au niveau de cette source de lumière, on ait aussi un monochromateur balayable, de manière à pouvoir faire varier la longueur d'onde. Et donc, on produit une onde à une longueur d'onde lambda avec une intensité I0. En bleu est schématisé l'échantillon, et on va mesurer ce qui traverse l'échantillon. Donc, l'intensité I, toujours pour cette même longueur d'onde lambda. Et avec un photomultiplicateur, eh bien, on pourra mesurer cette intensité. Alors, dans la pratique, il faudra prendre quelques précautions et en particulier mesurer aussi l'intensité absorbée par le porte-échantillon et de manière à pouvoir faire la correction et ne considérer que ce qui est absorbé par l'échantillon lui-même. Maintenant, si on s'intéresse à ce qui est émis, donc à l'intensité de fluorescence, ben on peut regarder ce qui est émis à 90 degrés par rapport à l'absorption. Et cette fois-ci, donc globalement, il y a une certaine intensité qui est fluorescée et il faut faire l'analyse en fonction de la longueur d'onde. Donc on a un petit dispositif qui permet de décomposer cette fluorescence et analyser donc l'intensité pour chaque longueur d'onde. Donc si on considère des molécules dans un gaz, l'intensité de fluorescence ressemblerait à une série de raies qui auraient toutes une certaine largeur, mais les raies étant distinctes. Maintenant, si on regarde la même chose pour des molécules en solution, eh bien, on n'aura pas forcément des raies bien séparées, mais on aura un spectre relativement large, mais qui peut présenter quelques bosses. Donc, on voit tout de suite que le spectre expérimental présente des largeurs au niveau de ces raies. Donc on va nommer delta lambda. D'où vient la largeur des raies d'absorption ou d'émission d'ailleurs? Eh bien tout d'abord, il y a un premier effet qui est appelé la largeur naturelle, qui est liée à la durée de vie des niveaux d'énergie. Et c'est une conséquence de la mécanique quantique, c'est le principe d'incertitude qui nous dit que lorsqu'un niveau d'énergie a une certaine durée de vie tau, l'énergie de ce niveau est définie avec une certaine imprécision qu'on va noter delta E, et ce delta E est proportionnel à 1 sur tau. Donc plus la durée de vie est courte, plus le delta E est grand. Ce qui peut se représenter schématiquement ici, c'est-à-dire que lorsqu'on émet à partir de ce niveau excité, donc c'est la flèche qui est en trait plein, en noir, mais comme il y a une certaine incertitude sur l'énergie de ce niveau, eh bien on a deux flèches extrêmes qui sont en pointillés et donc qui sont liées à ce delta E. Et donc forcément, donc le delta E va induire un delta lambda. Typiquement, pour des molécules isolées sans interaction avec d'autres molécules, si la durée de vie est de l'ordre de 10-9 secondes, ça correspond à un delta nu, donc un delta de fréquence, de 1 GHz. Maintenant, il y a d'autres effets qui provoquent l'élargissement des raies, en particulier les collisions. Donc, quand on est dans un gaz dilué, il y a peu de collisions puisque la densité de molécules est faible. Les raies sont fines, c'est ce qu'on a montré sur l'exemple dans la diapo précédente. Mais maintenant, si le gaz devient plus dense, ou bien même si on a des molécules en solution, on va avoir un nombre de collisions qui peut être important, et on constate que les raies s'élargissent. Alors c'est relativement simple, les collisions vont rentrer en compétition avec les transitions radiatives. Donc la perte d'énergie par transition non radiative est en compétition avec les transitions radiatives, et donc forcément, les collisions vont diminuer la durée de vie de l'état excité. Et si on diminue la durée de vie de l'état excité, eh bien, avec ce qu'on vient de dire précédemment, on augmente le delta E et donc on augmente la largeur des raies.
Et puis, il y a une troisième raison pour élargir les raies, qui est l'effet Doppler, donc qui est le mouvement des molécules, et donc la variation de la fréquence qui est perçue. C'est l'effet Doppler, vous le connaissez, c'est le train qui passe dans la gare en émettant un sifflement, et lorsqu'il arrive et lorsqu'il repart, on en perçoit des fréquences légèrement différentes. Donc les molécules étant en mouvement et allant dans tous les sens dans la solution, l'instrument qui va mesurer l'émission qui viennent de ces molécules ou l'absorption va percevoir cette variation de fréquence. Donc à nouveau un spectre avec des raies relativement fines où on voit chaque raie isolée séparément. Si maintenant on imagine que chacune de ces raies s'élargit, eh bien vous voyez que la résultante du spectre devient un spectre très large avec un seul pic mais qui présente plusieurs bosses. Alors venons maintenant plus précisément à l'absorption. L'absorption peut être caractérisée par un paramètre très global qui est l'absorbance ou bien la densité optique, qui est tout simplement moins logarithme de I sur I0, où I0 est l'intensité initiale et I l'intensité transmise. Donc c'est une quantité qui dépend de la longueur d'onde et qui peut être donnée par la loi de Baire-Lambert sous la forme A de lambda est égal à un epsilon de lambda fois C fois L. Donc c'est une loi qui est valable pour les faibles concentrations C. Et dans cette expression, epsilon, on appelle ça le coefficient d'extinction molaire. Il s'exprime en molaire moins 1 centimètre moins 1, hein, puisque l'absorbance est un nombre sans unité. C, c'est la concentration molaire, donc il s'exprime en molaire. L, c'est l'épaisseur traversée qui s'exprime en général en centimètres. Donc epsilon s'exprimera en molaire moins 1 centimètre moins 1. Quelquefois, on trouvera aussi epsilon moins 1 en milligrammes par ml moins 1 centimètre moins 1. À ce moment-là, il faudra donner la concentration en milligrammes par ml. Donc ce coefficient dépend des molécules en solution. Donc il peut être calibré. Et une fois que vous le connaissez pour un certain type de molécule, eh bien il peut être utilisé pour connaître par exemple la concentration de ces molécules. Donc très souvent, plutôt que de représenter l'intensité transmise en fonction de la longueur d'onde d'absorption, on va représenter tout simplement l'absorbance. Donc chaque fois qu'il y a absorption, ben l'absorbance a une valeur non nulle, alors que quand il n'y a pas d'absorption, l'absorbance est nulle. Comment peut-on utiliser cette absorption pour caractériser les molécules? Alors, nous pouvons considérer différents domaines d'énergie ou différents domaines de longueur d'onde. Par exemple, pour les atomes et pour les molécules. Lorsqu'on considère des rayonnements dans l'ultraviolet de 10 à 200 nanomètres de longueur d'onde, ou dans le proche UV de 200 ou 400 nanomètres de longueur d'onde, ou même dans le visible, 400 à 800 nanomètres, on pourra provoquer des transitions entre niveaux d'énergie électronique. Maintenant, si on considère le rayonnement dans l'infrarouge, donc des longueurs d'onde de 0,8 à 1000 micromètres, cette fois-ci, on pourra provoquer pour ces molécules des transitions entre niveaux d'énergie vibrationnelle. Alors, quelle est l'information qui peut venir de ces spectres? Eh bien, d'une part, la forme du spectre peut renseigner sur la nature des molécules. Alors c'est plus ou moins facile. Lorsqu'on parle d'un gaz, d'atomes ou de molécules, le spectre, c'est un spectre de raies fines, et là l'identification est simple. Donc c'est comme un peu une carte d'identité. Le spectre vous donne directement la nature chimique des molécules dans le gaz.
C'est tellement simple que quelquefois il est même possible d'identifier plusieurs constituants dans un mélange. Maintenant, lorsqu'on parle de molécules en solution, donc on a un spectre de raies large, on a vu que c'est une seule raie, souvent avec des petites bosses. L'identification, bien sûr, est plus difficile et elle sera moins sélective. Une autre information, c'est l'intensité des raies qui va correspondre à la quantité de molécules absorbantes présentes, donc qui va pouvoir servir à quantifier ce nombre de molécules. Alors, par exemple, si on se place dans le proche UV, et si on considère les protéines, au niveau des protéines, il y a plusieurs acides aminés dont les chaînes latérales absorbent dans le proche UV. Il s'agit de la tyrosine, de la phénylalanine, du tryptophane, qui absorbent entre 180 et 300 et qui présentent un maximum autour de 280 nanomètres. Et puis au niveau des protéines aussi, il y a les électrons des liaisons peptidiques qui, eux, absorbent vers 200 nanomètres. Maintenant, si on considère l'ADN, l'ADN présente un maximum d'absorption vers 260 nanomètres. Donc voilà typiquement l'absorbance d'une protéine en fonction de la longueur d'onde. Donc l'échelle des X commence à 250, mais si on allait en dessous, on voit qu'on a une augmentation de l'absorbance, ça correspond aux liaisons peptidiques à 200. Ensuite un creux à 250, et à nouveau cette bosse autour de 275, 300, 275 ou 280 nanomètres, qui correspond donc aux acides aminés que nous venons de citer. Maintenant, si on faisait l'absorbance d'un brin d'ADN simple, on a donc un maximum pour 260 nanomètres. Alors, malgré la largeur de ces spectres, on peut quand même les utiliser pour faire de l'identification. Par exemple, si on a une solution de protéines, on peut contrôler que cette solution de protéines n'est pas contaminée par des acides nucléiques. Et donc ça se voit dans le spectre d'absorbance. On voit que pour une protéine, il y a un creux, un minimum vers 250 nanomètres. Eh bien, s'il n'y a plus de minimum et s'il y a une contamination par des acides nucléiques, ça va provoquer une absorbance à 260 et on le verra tout de suite sur le spectre. Donc vous voyez un contrôle qui n'est pas très sélectif, mais qui est quand même efficace. Et puis au niveau quantitatif, eh bien, on peut utiliser par exemple le spectre d'absorbance de la protéine en considérant l'intensité ou l'absorbance à 280 nanomètres pour mesurer la concentration en protéines, connaissant donc le epsilon de la protéine, en utilisant la loi de Bert-Lambert. Alors on peut donner des exemples aussi dans le visible. Alors là, une protéine elle-même n'absorbera pas dans le visible, mais on peut avoir une petite molécule liée à la protéine qui absorbe dans le visible. Et le spectre de cette petite molécule peut dépendre de l'environnement. Alors on peut prendre par exemple une petite molécule qui est le rétinal. Le rétinal est lié à la rhodopsine, qui est une protéine membranaire, qui est à l'origine de la vision. Donc vous avez ici une conformation possible du rétinal. Donc vous voyez qu'il y a une chaîne qui comporte plusieurs doubles liaisons et par absorption de photons, on peut provoquer des isomérisations autour de ces différentes doubles liaisons. Et donc très schématiquement, ce rétinal est attaché à la rhodopsine, donc qui est une protéine membranaire, donc qui se trouve insérée dans cette bicouche de lipides. Et lorsqu'on envoie un photon sur cette protéine, c'est le rétinal qui va absorber le photon. Donc, on peut montrer des courbes d'absorbance. Et en fait, il existe trois récepteurs différents qui absorbent, qui correspondent à ces trois absorbances notées 1, 2 et 3. Et en fait, il s'agit de trois protéines différentes, trois rhodopsines différentes, qui sont responsables respectivement de la vision dans le bleu,
dans le vert et dans le rouge. Vous voyez que la courbe 1, son maximum d'absorption est dans le bleu, la courbe 2, son maximum est dans le vert, et la 3, son maximum est dans le rouge. Donc, le principe de vision de la lumière est basé sur ces trois récepteurs qui absorbent rouge, vert et bleu. Et dans les trois cas, la molécule responsable de l'absorption de la lumière, c'est le rétinal. Donc c'est la même molécule, mais ce qui change, c'est l'environnement de cette molécule dans la protéine, d'où un spectre d'absorption différent. Alors un autre exemple dans le visible, c'est celui de l'hémoglobine, qui lui donc contient un M, et cet M peut fixer de l'oxygène, et les spectres d'absorption de l'M en présence ou en absence d'oxygène sont très différents. Donc vous avez en bleu le spectre en absence d'oxygène et en rouge le spectre en présence d'oxygène. Donc un spectre dont l'absorbance est maximum et autour des 550 nanomètres. Mais vous voyez que la forme des deux spectres est très différente. Donc sur la base d'un spectre, il va être facile de caractériser l'état de l'hème dans l'hémoglobine. Alors juste un mot sur les spectres en infrarouge. Donc les spectres en infrarouge peuvent être caractéristiques de certaines molécules, et en particulier pour les lipides. On peut caractériser des lipides grâce à leur spectre en infrarouge, et non seulement les caractériser, mais aussi les quantifier. Donc si vous avez une solution qui contient des protéines et des lipides, eh bien vous pouvez les identifier et dire combien de lipides sont présents dans la solution. Alors le spectre d'infrarouge peut aussi être utilisé au niveau des protéines parce que les transitions sont caractéristiques de la géométrie locale des liaisons. Et donc ça va nous permettre la caractérisation de l'organisation locale des protéines. Alors un autre exemple d'utilisation de ces spectres d'absorption, c'est par exemple le suivi d'une réaction. Alors on va prendre un cas dans le visible ou le proche UV plus exactement, où on va s'intéresser au suivi d'une réaction, donc en fonction du temps, car cette réaction, c'est une réaction de réduction qui est catalysée par une enzyme qui nécessite une molécule de NADPH. Et au cours de cette réaction, la molécule de NADPH va donc être transformée en NADP+. Et on va utiliser la propriété d'absorbance du NADPH. On sait qu'il a un maximum d'absorbance à 340 nanomètres. Et on sait aussi que le NADP+ n'absorbe pas à cette longueur d'onde. Donc, si on veut suivre la réaction, eh bien, on peut suivre l'absorbance à 340 nanomètres en fonction du temps. C'est ce qui est représenté ici. Et donc, vous voyez que lorsque la réaction a lieu, eh bien, l'absorbance diminue. Donc, ça veut dire que le NADPH disparaît et donc que la réaction a bien lieu. Et on peut utiliser cet effet pour caractériser un inhibiteur. Donc, si on a un inhibiteur de la réaction, eh bien, il n'y aura plus transformation de NADPH et théoriquement, la quantité de NADPH devrait rester constante. Et donc, les courbes ici en pointillés vous montrent l'absorbance en fonction du temps pour différentes concentrations d'une molécule qui est un inhibiteur. Donc, à 100 micromolaires, bon, l'absorbance décroît moins vite, mais elle décroît quand même. À 300, on commence à avoir un effet notable. Et à 2000 micromolaires, eh bien là, vous voyez que l'absorbance décroît beaucoup moins vite. Donc, on a un effet d'inhibition. Alors, quelques mots sur la fluorescence. Donc, après excitation par absorption d'un rayonnement, le retour vers l'état fondamental peut se faire par fluorescence, donc c'est la transition radiative. Et il y a deux utilisations possibles de cette fluorescence. Soit on veut faire un simple suivi d'un marqueur fluorescent, donc il s'agit de marquer une petite molécule et on va suivre la fluorescence, ou
On utilise cette fluorescence pour connaître l'environnement de la molécule qui fluoresce. En effet, donc le spectre de fluorescence caractérise l'élément qui fluoresce, mais il dépend beaucoup de son environnement. Et donc, il peut être utilisé pour sonder l'environnement. Alors, à nouveau, les informations, c'est la forme du spectre, c'est l'intensité de chaque ray, c'est l'intensité globale en fonction du temps. Et à partir de là, on pourra donc caractériser l'élément, caractériser son environnement. Donc, comme je l'ai mentionné, on peut utiliser des marqueurs, et il existe tout un tas de petites molécules capables de marquer soit les lipides, soit les protéines, soit l'ADN. Donc, ce sont des petites molécules qui se lient de façon spécifique aux molécules ou aux types de molécules qui nous intéressent, et donc qui ont des propriétés fluorescentes. Alors, pour résumer les applications de ces interactions matière et rayonnement. Alors, tout d'abord, l'interaction provoque des effets dans la matière. Ces effets vont avoir des conséquences. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est un peu les principes physiques de ces interactions. Ensuite, on a vu que les interactions matière et rayonnement peuvent être utilisées pour détecter et même identifier un élément chimique. Alors l'élément chimique, ça peut être une particule, un noyau, un atome, une molécule. Et on a évoqué aussi que ces informations vont apporter des informations sur la structuration de la matière. On a vu l'exemple aussi de suivi enzymatique, où on pourrait suivre aussi le métabolisme en suivant donc les produits d'une réaction. Donc c'est quelque chose qui peut être considéré à différentes échelles, à une échelle tissulaire, donc même sur des humains entiers, à une échelle cellulaire ou à une échelle moléculaire. Donc il y a plusieurs niveaux aussi d'observation. On pourra faire la localisation d'un traceur en fonction de ses coordonnées dans l'espace, donc x, y, z. Donc on fera de l'imagerie. On peut aussi suivre un traceur en fonction du temps. Et puis, on pourra aussi faire des choses plus complexes et suivre un traceur avec la variation des propriétés spectrales en fonction de l'environnement. Donc, en même temps, utiliser ce traceur pour sonder le pH, pour sonder les ions, etc. Et aussi faire ce suivi en fonction du temps. Donc, pratiquement, combiner un suivi des réactions chimiques avec de l'imagerie. On pourra aussi utiliser cette interaction pour voir vraiment la structure fine de la matière. Alors, structure fine, ça peut être aussi à l'échelle macroscopique, tout simplement par des radiographies X, c'est l'absorption par les os qui nous donne la vue de ces os. Et puis à l'autre extrémité, l'échelle vraiment microscopique, utiliser la diffraction rayon X pour sonder la structure atomique des macromolécules. Donc vous voyez que les interactions entre matière et rayonnement sont vraiment une source d'exploration de la matière. Terminons ce chapitre en résumant les notions importantes. Nous avons décrit l'impact entre deux particules chargées et donc il faut savoir poser le problème. Nous avons vu le ralentissement des électrons et des particules alpha dans la matière et donc leur comportement. Nous avons introduit la notion de perte d'énergie spécifique et vu les paramètres dont dépend cette perte d'énergie. Nous avons parlé de l'interaction des neutrons avec la matière. Donc, mentionner l'origine physique de cette interaction et vu les conséquences, en particulier l'effet important avec l'hydrogène. Nous avons parlé des interactions des rayons X ou gamma. Donc, nous avons vu l'effet photoélectrique, déjà vu dans le cours sur les ondes, l'effet Compton. Donc, pour l'effet Compton, il faut savoir poser les équations de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement.
Nous avons vu le phénomène de création de paires, pour lequel il faut savoir décrire le phénomène, comprendre la notion d'énergie seuil. Nous avons mentionné la loi d'atténuation d'un faisceau de photons, donc il faut voir comment est cette loi. Nous avons parlé du principe des détecteurs, nous avons vu différents types de détecteurs, donc l'origine physique du principe de détection. Ensuite, nous avons vu les spectres moléculaires, donc leur description, les transitions d'énergie possibles, la notion de largeur de ray. Terminons ce chapitre en résumant les notions importantes. Nous avons décrit l'impact. Et pour finir ce chapitre, quelques exercices d'application.